Et bonjour à toutes et à tous, ici Farrakhan pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour le deuxième épisode de Gamers News, la série qui concerne l'actualité sur les jeux vidéo et plus exactement sur les sorties hebdomadaires. Donc dans cet épisode nous allons parler des sorties concernant la semaine du 28 mars au 3 avril 2016. Donc cette semaine était peu chargée en nouveautés car il y a seulement deux jeux qui sont sortis, enfin deux gros jeux on va dire, car je ne fais pas attention aux tout petits jeux indépendants qui sont sur Steam, quoique peut-être dans une future série. Et on commence tout de suite avec le premier jeu, il s'agit de ADR1FT, un jeu édité par 310 et développé par 505 Games. Il est donc sorti le 28 mars 2016 sur PC, PS4 et Xbox One. C'est un jeu de type aventure et réflexion sur le thème de l'espace. Il est cependant jouable qu'en solo. Donc c'est un jeu d'aventure à la première personne particulier dans lequel le joueur entre dans la peau du dernier survivant d'une station spatiale. Ce dernier dérive dans l'espace et doit faire de son mieux pour survivre en attrapant des ressources et en essayant de réparer le vaisseau et aussi la station spatiale. Ce jeu, comme on peut voir actuellement sur le trailer, est un jeu juste magnifique qui est aussi compatible avec l'Oculus Rift. Donc je pense que ça permet d'avoir extrêmement et de très très bonnes sensations dans ce jeu. Et pour finir cet épisode de Gamers News, on passe sur le dernier jeu, il s'agit de Resident Evil 6, un jeu édité et développé par Capcom. Donc ce jeu fait suite à la saga, car Resident Evil était déjà sorti le 2 octobre 2012 sur PS3 et Xbox 360. Il était sorti le 22 mars 2013 sur PC et maintenant il est disponible le 29 mars 2016 sur PS4 et Xbox One. Donc c'est donc un jeu qui a participé, enfin, qui a été développé sur toutes les plateformes et de toutes les générations depuis 2012. Donc c'est un jeu de type action, basé sur le thème des zombies, contemporains et horreur. C'est une classification PEGI 18. Il est jouable en mode solo, en multijoueur et en coop. Ce jeu donc se déroule 10 ans après les péripéties du premier opus du même nom. Resident Evil est un jeu d'action horrifique, jouable seul ou à deux, dans lequel on retrouve Leon Kennedy et Chris Redfield. Les deux personnages, rejoints par beaucoup d'autres, s'uniront deux par deux pour lutter contre la menace des zombies. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de Gamers News. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle était très courte, mais bon, je ne peux pas faire plus que l'actualité. J'ai commencé à regarder pour la semaine suivante. Là, il y aura du lourd à vous proposer. Et donc, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un petit commentaire. Allez, bye bye.